Em desperto i miro la ciutat. Mantell de pedra immens. Art o arquitectura? Quanta gent hi viu i en fa la fi de la seva vida? Habitants dels seus carrers, la llum els encén una passió urbanita. Desinhibida, única, individual, sense més sentit que expressar-se des de l'interior de les seves entranyes. Que com que no tinc la tela encara, ni el vestidor, així vaig avançant. Això en teoria va enganxat a sobre la tela. Em sento molt més a ciutat i potser el neguit i la necessitat de pintar i de plasmar-ho és... potser ho tinc més a ciutat. No? I bueno, el que plasmaré és la tridimensionalitat en el sentit de que, això sí que ho havia pensat, o sigui, com vist la ciutat des de dalt, no? des de dalt al cel. El aire, quiero hacer algo que esté a medio camino entre el aire y el agua, ¿sabe? Que es lo que me sugiere también esta ciudad. Porque pienso que una ciudad es un conglomerado de tejidos, de realidades tejidas. Els meus peus estan en remull. Em sento la sorra entre els meus dits. Mar de mars, el Mediterrani enllaça cultures. Estic en el meu punt de trobada, com molts altres. Les artèries de la ciutat ens llisquen a tot arreu. Som la sang de la metròpolis. L'Europe, en fait, c'est l'autre, c'est... les compléments, la partie qui nous manque, c'est-à-dire nous, on manque à l'Europe, et l'Europe, elle manque en fait à nous. Quand on parle nous les Tunisiens ou nous les Maghrébins de l'Europe, c'est notre rive, il faut juste nous traverser le pan. Et comme eux aussi en fait ils traversent le pan, c'est un pan à double sens. Passos cristal·lins, formes inertes que congelen cada individu davant els aparadors, voreres concorregudes, sense rumb, però amb una intenció, el consum. El món arabe, il a en fait un problème qui est très grave, c'est celui de la consommation. Je vis aussi dans une société qui consomme des choses qu'elle ne produit pas. Elle consomme des idées, elle consomme des attitudes, et elle consomme aussi tout un mode de vie qui n'est pas le sien. Moi, je suis un partisan de l'idée de consommer des valeurs, mais pas de consommer des choses, mais pas de consommer juste pour la consommation. La modernité, elle arrive chez nous par les médias, c'est-à-dire, c'est pas, comme je viens de dire, elle n'est pas en fait notre
modernité à nous, c'est votre modernité. Donc, tradition hein, et modernité, ah, c'est toujours la guerre, enfin, c'est toujours qui va s'imposer par rapport à l'autre, en fait. Rester traditionnel ou aller de l'avant. Al meu voltant, reflexos d'històries viscudes que interpreto. Necessito trencar els motlles per a sortir de l'embús. Il faut pas penser qu'on doit aller dans une école d'art pour être artiste. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils sont vraiment qu'ils auraient pu être de très grands artistes. Que le cœur artistique et intellectuel tunisien doit commencer à rayonner à l'extérieur pour avoir un feedback et pour qui est ce qu'on appelle une révolution culturelle, c'est-à-dire que la culture ensuite rayonne d'un point de vue graphique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de manière générale, qui est une vraie charte tunisienne, on puisse dire tiens ça c'est de l'art tunisien. La révolution culturelle c'est quand toute la tradition et d'un coup elle upgrade le niveau. On se met au niveau mondial. Une révolution culturelle, c'est on s'inscrit dans son temps. Un peu revendicatif pour essayer de dire aux gens que l'art, c'est pas quelque chose de très très grand. Ça peut être dans les petites choses. Et si on sait adapter son regard, si on fait un petit effort, on peut sentir ce plaisir esthétique. Sans que ça soit quelque chose de vraiment très très grand, géant. Els meus estris són matèries en vida i possibilitats infinites. Plàstics en formes insospitades, línies, productes fotoquímics, ordinadors portàtils, sorolls musicals, gens que componen els meus enquadraments mentre assagen davant d'un mirall que no és altre que el de la vida captiva. La meva matèria grisa els posarà en ordre. Practicar l'art és conèixer-se a un mateix. Des formes chrétiennes, parce qu'il y a tellement de guerres, tellement d'assassinats, et il y a des innocents qui meurent tout le temps. Et voilà, c'est la terre qui est. Mais qui sont cachés. Et ça m'intéressait le fait de travailler là-dessus parce qu'il y a toujours plein de trucs sous le noir. C'est cette ressemblance entre tout ce qu'il y a sous la peinture, sous la peau de la peinture. C'est comme la chair qui est sous la peau. Il y avait une tache de sang sur son corps, sur sa chemise. Il a peint dessus et peut-être nous aussi, nous cachons des histoires, nous cachons notre chair et notre vrai peut-être revers. Se'm planteja un problema essencial, el de la representativitat de l'art, ja que em priva d'autonomia. El canvi progressiu de qui sóc no ha de dependre del que em proposen les masses.
No comprenc en quina mesura la meva autonomia xoca amb la voluntat del jo artista, esclau del valor testimonial que se m'atorga. No sé què és ser artista. Ah, pour commencer, ceci est un travail, c'est assez fondamental, c'est par rapport au corps, c'est par rapport à l'attitude du corps. C'est-à-dire qui cache, qui joue un jeu de présence du corps et à la fois absence du corps. C'est moi qui essaye à chaque fois de dénicher, de regarder comme ça l'attitude que peut avoir le corps qui marche devant moi ou derrière moi, sous les vêtements en fait. De vêtements qui appartient à la Tunisie, qui appartient à... C'est-à-dire, par rapport au corps, on peut comprendre que c'est du jean, que c'est entre parenthèses américain, c'est-à-dire il y a un héritage quelque part de l'Amérique. Ah, voilà, c'est-à-dire ce processus-là que je cherche en fait à dénicher, à expliquer, à jouer avec. Mais la base du travail, la vraie base du travail, c'est le corps, voilà. C'est ce morceau de vêtements qui fait qu'elles appartiennent à telle ou telle société, à tel ou tel système. Donc je cherche une attitude qui se trouve cachée, mais visible à la fois. Moi j'ai des amis qui me permettent, des amis de l'école des Beaux-Arts de Tunis qui m'apportent qui m'apportent des choses sur le plan théorique, qui me font avancer dans ma façon d'aborder la création artistique. Tout ce que je fais, photo, musique, composition, poésie, composition de texte, la mer, c'est assez bleu, intuitif. Le lac de Tunis est bleu, les fenêtres sont bleues. Le village de Sidi Bou Saïd est bleu. Hein? Un livre. Le Coran. Ibn Khaldoun, c'est le fondateur de la sociologie. C'est un homme qui a bâti tout un empire culturel, tout un empire basé sur le savoir. On a utilisé l'idée d'Ibn Khaldoun. C'est pour faire renaître en nous, les Tunisiens, un certain honneur culturel en fait. L'intérêt de ce travail et de cette idée surtout, c'est de superposer deux modes en fait, de vie et de pensée. Pues empleo los instrumentos tradicionales porque me parece, a mí el mundo de la tecnología está alrededor mío, pero yo no utilizo para nada la tecnología, no tengo ni teléfono móvil y por ahora no lo quiero. Entonces, lo que sí que veo que el arte contemporáneo tiende a lo mejor a generalizar es bastante malo, pero a seguir el curso de, bueno, a través de los formatos electrónicos, informáticos, pero
pero el arte contemporáneo, urbano, es como la trastienda de todos nosotros. En las casas, aquí estamos en Gracia, en Barcelona, y en la trastienda, en tus abuelos, tus padres, esto lo resumes tú como quieras, pues siempre queda el pozo este cultural, la herencia cultural de antaño, que en eso sí que me siento identificado y creo que se deja de lado y es parte de la ciudad. Y eso es otro enfoque diferente, por lo que veo, a lo que es una ciudad. A mí me gusta hablar con abuelos, con ancianos por la calle que están tocando en una sartén, muertos de hambre, y te empiezas a conversar con ellos y es súper interesante sus vidas, no sé, cosas diferentes. La trastienda, ¿no? Ya no ir, no querer ser original y con esa tensión de ser original y competir con el otro, quedarme ahí encerrado. Sino no me importa ser original o no, simplemente pues emocionarme, no creo en la complejidad del virtuosismo, de ser un virtuoso de algo, creo que lo importante es emocionarte y de hablar con la gente, de transmitir. La meva creació artística és vista com etnogràfica, pot ser exòtica, però jo només tinc la necessitat de donar testimoniatge de la realitat que m'envolta. Els carrers són camins grisos que em llisquen entre estops i cedeixi el pas. Olor acrílic, cera fosa, aigua bruta amb dissolvent, serradís tintat, soroll de pressa i a riure de satisfacció. La meva representació està llesta, és el meu reflex. Presento certa nebulosa d'exotisme. La noche es más fructífera de lo que parece. Barreré las esféricas lágrimas griegas bajo la alfombra para que nadie las vea. Nadie. No quiero que nadie las vea. El meu coneixement potser es basa en prejudicis i l'art és el meu altaveu. El meu cor no té més culpa que ser ell mateix. Mm-hmm.